Le poète André Salmon lui donna pour titre Les Demoiselles d'Avignon. Picasso, lui, l'appelait Le Bordel. Et c'était vraiment un salon de bordel. C'est le tableau le plus célèbre du XXe siècle et en même temps, probablement celui qui nous échappe le plus, celui qui se ferme devant nous. On est obligé de se demander qu'est-ce que cela représente. Le titre ne nous renseigne absolument pas. Les Demoiselles d'Avignon, tout est faux. Avignon n'est pas Avignon, Avigno, une banlieue de Barcelone. Ces demoiselles sont des putains. Et c'est ça la clé de cette violence. Picasso y a fait le déshabillage le plus sauvage, le plus brutal de la Belle Époque. Picasso a tout juste 25 ans. Et c'est en septembre 1907, quand il rentre de vacances, que les amis de Picasso, Gertrude et Léo Stein, Matisse, Derain, découvrent dans l'atelier cette œuvre stupéfiante. Un véritable coup d'état dans la peinture. Derain va jusqu'à dire, un jour, on retrouvera Picasso pendu derrière son grand tableau. Étrangement, au commencement de cette histoire, on trouve le bain turc d'Ingres, qui a été révélé en 1905, 40 ans après sa réalisation. Mais comment diable Picasso est-il passé de cette rêverie orientale à la crudité qu'on lit dans Les Demoiselles d'Avignon ? Voici la clé, l'étape intermédiaire, cette tête ibérique qu'on venait d'exhumer puis d'exposer au Louvre. Volée par un ami d'Apollinaire, elle est arrivée dans l'atelier de Picasso. En 1906, Matisse, Derain comme Picasso ont la même idée en tête. Il faut recommencer l'art à zéro. Repartir de l'art des primitifs. Revenons au bain turc. Sa révélation en 1905 a produit un choc extraordinaire. Ingres passait jusque-là pour le titre du grincheux académique. Et on découvrait ses toiles érotiques, tout entières construites avec les corps nus des femmes, avec des couleurs franches, sans clair-obscur, bref, des œuvres dont la modernité vous stupéfiait. Ça a bouleversé en même temps Matisse et Derain. Mais Picasso, lui, est allé plus loin. Il va détruire l'évasion orientale en peignant un harem espagnol. Au premier plan, un colosse nu. Et à côté de lui, au lieu des raffinements des mille et une nuits, le casse-croûte le plus vulgaire. Borone de vin rouge, saucisson. Six mois plus tard, le Boron se retrouve devant un marin, au milieu d'un bordel du port de Barcelone. À
avec les filles qui se mettent en frais et un étudiant qui entre à gauche. C'est comme cela que sont nées les demoiselles d'Avignon. Nous sommes les premiers à connaître l'ensemble des 700 dessins des carnets de Picasso. Au début, le bordel se précise dans des dessins qu'on peut dire encore classiques. Puis il s'anime, avec des rythmes comme la foudre, et on sent très bien que Picasso atteint toute la vitesse dont il est capable, accélérant jusqu'au dessin automatique. Comment faire avec cet étudiant qui entre par la gauche? Lui donner à tenir une tête de mort? Ou bien un livre? Ou les deux à la fois? Finalement, rien du tout. Le marin est le personnage central et il fait éclater le sujet réaliste. Mais quel personnage? Impassible, le voilà qui roule une cigarette. Et pas moyen de le primitiviser. Voilà que les dessins créent un véritable film, parce que Picasso veut que son bordel déborde de mouvements. Finalement, l'étudiant n'y trouve plus sa place. Picasso dessine une fille au même endroit. En peignoir, la voilà qui ouvre le rideau. Picasso est encore insatisfait. Décidément, c'est trop anecdotique. Au départ, en dépassant Ingres, Picasso veut dépasser toute la peinture. Créer le bordel du XXe siècle, quoi. Et à ce moment-là, voilà que Cézanne meurt. Ses baigneuses sont devenues orphelines. Picasso s'en empare aussitôt. Picasso n'oublie pas pour autant le primitivisme. D'ailleurs, ses rivaux, Derain et Matisse, sont là pour le lui rappeler. Derain avec des baigneuses, Matisse avec un nu bleu. Et en ce printemps 1907, il crée le scandale. Le nu bleu, un véritable scandale. Leurs figures interpellent Picasso par leur barbarie. Et c'est sans doute pour cette raison qu'il se met à trouver son bordel trop civilisé et qu'il va inventer la frénésie du tableau final. La réaction de Picasso est fulgurante. Il reprend tout au point de départ. Ses autoportraits ibériques, primitivistes, étaient contemporains de la première idée du bordel, en automne 1906. Voyez un peu ce qu'ils deviennent dans l'autoportrait de juin 1907.
Picasso découpe littéralement son visage à coups de hache. Il se donne d'énormes yeux d'idole. Et surtout, il se découvre ainsi un style qui n'est qu'à lui. Jusqu'ici, la violence était dans son dessin. Il la fait passer dans sa peinture. Il brutalise sa peinture avec des traits de pâte épais. La violence n'est plus dans le sujet, mais dans l'exécution. Véritablement dans la peinture, dans la matérialité de la peinture. Et cette invention-là, Picasso s'en servira tout le reste de sa longue vie. Voici parti l'été des demoiselles. Picasso revient au visage d'un vieux paysan catalan qui l'a fasciné à Gozol du temps qu'il peignait le harem. Il le durcit, le simplifie en un masque, le déforme, le triture. Il n'y a plus de modèle. Chaque dessin appelle le suivant. Picasso finit par en faire un visage de femme, puis le masque hurleur de la demoiselle accroupie. C'est seulement l'analyse récente aux infrarouges qui a révélé comment Picasso a recouvert, c'est-à-dire éliminé la peinture de son bordel sage, en la recouvrant par une tête qui prépare les visages des demoiselles du centre de la toile. En arrière au temps de Gozol. Voici Fernande, la compagne de Picasso, dans toute sa grâce, les bras levés comme la figue du bain turc. Et Picasso va lui faire suivre le même chemin en peinture qu'à son vieux paysan catalan. À ce moment-là, Picasso repart à l'assaut de son bordel. Il fait une nouvelle esquisse d'ensemble, qu'on appelle l'esquisse de Philadelphie. Cette fois, il enlève le marin. Maintenant, il n'y a plus que les filles. Mais le fait d'enlever le marin, c'est pas simplement une idée qui change, c'est toute la composition. Parce qu'à ce moment-là, Picasso est obligé d'allonger démesurément sa figue du centre. Ce qui lui donne l'idée d'emprunter des draperies et du rythme au Gréco. C'est alors qu'il radicalise son primitivisme. Jusque-là, la demoiselle à gauche entraînait son peignoir dans un mouvement encore harmonieux. La voici, à son tour, équarrie à coups de hache, avec un genou pointu comme un tranchant. Elle reçoit alors un œil de face dans son masque de profil, comme l'idole que Gauguin avait peinte dans l'Esprit des Morveilles. Thank you.
qui l'a fasciné dans les sculptures ibériques, c'est la disproportion de l'oreille. Alors regardez bien les deux demoiselles du centre, qui viennent de la sculpture ibérique, avec leurs yeux qui nous hypnotisent, leur nez rabattu. Picasso va encore plus loin en se servant de hachures hurlantes pour que le nez jaillisse dans le visage au lieu d'être seulement rabattu. Il veut vraiment imposer la présence dangereuse des filles par leur déformation même. Au temps du premier bordel paisible, nous étions de simples visiteurs. Maintenant que Picasso a enlevé le marin, il fait de nous des clients. Désormais, c'est nous qu'il fait entrer dans sa toile. Avec pour nous faire face, pour nous faire front, les demoiselles de droite. Et c'est par elles que Picasso nous fait basculer dans la violence, dans la férocité sauvage, dans la vraie barbarie. Nous sommes arrivés au moment final des demoiselles. Depuis l'esquisse de Philadelphie, Picasso a resserré, a concentré sa composition pour mieux nous cogner aux filles monstrueuses de droite. Picasso géométrise les seins de la demoiselle qui entre à droite. Il lui étire le masque en un mufle animal, parfaitement inhumain, avec un œil vide. C'est cela qui était déjà en germe dans la violence de son dernier autoportrait. La peinture hurle l'inhumain. Picasso n'a copié là aucun masque nègre, aucune idole océanienne. Il en a retrouvé l'esprit. Il dépasse les primitifs en terreur, comme il dépassait les harmonies d'Ingres, la force de Cézanne. Cette peinture rejette la prétendue civilisation. En ce début du XXe siècle, en France, c'est la peinture qui commet les attentats contre l'ordre établi que les anarchistes des années 1890 commettaient avec des bombes. C'est ça, le climat intellectuel des demoiselles d'Avignon.
Picasso veut aller plus loin que tous ses devanciers, non seulement par la puissance de sa peinture, mais par la destruction avec la peinture de toutes les hypocrisies de l'art académique, confondues avec celles des bordels luxueux de la Belle Époque. Les amis poètes du jeune Picasso nous éclairent. Apollinaire publie à ce moment-là les livres de l'enfer de la Bibliothèque nationale. Et comme Max Jacob, comme André Salmon, il est fou de Rimbaud. Et il y a Rimbaud, derrière la version finale des Demoiselles. Vous vous croyez dans un bordel bien comme il faut, aseptisé, et ce qui vous attend, c'est la saison en enfer. Rappelez-vous l'attaque du poème. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, et je l'ai trouvée amère, et je l'ai injuriée. Et c'est cette injure-là, cette injure de Rimbaud, que Picasso a peinte. Toujours chez Picasso, chaque grande œuvre est aussi une page du journal intime. Fernande, qu'il peignait plus belle que les filles d'Ingres, est sa compagne, mais elle ne peut avoir d'enfant. Picasso lui rêve d'en avoir. Alors, au printemps 1907, le printemps des Demoiselles, voilà que Fernande a une idée stupéfiante. Elle se rend dans un orphelinat de Montmartre, choisit une jeune fille de 13 ans, Raymonde, pour l'adopter, et elle l'installe au bateau lavoir. Picasso dessine Raymonde dans ses carnets avec tendresse. Quand on connaît le bateau lavoir, la pauvreté de l'atelier appartement, on sait bien que c'était une idée folle. Et très vite, Fernande doit ramener Raymonde à l'orphelinat. Picasso n'aimait pas qu'on casse ses rêves. Le moment où il radicalise les Demoiselles d'Avignon coïncide aussi avec cette crise et il se sépare de Fernande. Elle n'est plus là quand il révèle son œuvre à ses amis. Ils ne se réconcilieront que 3 mois plus tard. Ajoutons au journal intime la colère de Picasso contre les événements. Le printemps 1907 est en France plein de tensions sociales, de grèves avec des tués. Les vignerons se révoltent. La CGT naissante couvre les murs de Paris d'affiches « Gouvernement d'assassins ». La peinture ne peut pas appartenir à un monde pareil. Les Demoiselles d'Avignon sont une façon d'en finir avec tous les mensonges. Picasso y met tout ce qui le hante. C'est une véritable auto-analyse. Picasso s'est servi de la peinture pour exprimer tout ce qu'il portait en lui de colère et d'angoisse. Et c'est ainsi qu'il a rejoint les primitifs en demandant à son art d'exorciser le mal. Pour une pareille entreprise, il lui fallait plus que jamais prendre son bien partout où ses devanciers pouvaient l'aider. Appeler les plus grands à la rescousse, Le Greco, Ingres, rivaliser avec Matisse, Derain, Cézanne.
Oui. Il a sorti dans les demoiselles ce qu'il y avait de plus enfoui dans la vie. Ce que personne n'osait avouer. C'est bien pourquoi ces cinq idoles inquiétantes nous atteignent à ce point. Nous contraignent, 80 ans plus tard, à nous poser toujours les vraies questions sur le sens de la peinture, sur le sens de la vie.